contester. Et c'est notre liberté. Demain, il y aura 5000 personnes. Mais pourquoi vous arrêtez Calibri? Calibri, Calibri, Calibri. Pourquoi on t'arrête? Il y a quoi? On va tous vous arrêter. On nous arrête pourquoi? Mais on n'a pas peur des arrestations. On n'a pas peur des arrestations. On n'a pas peur de ça, en tout cas. Vous arrêtez les services. Que M. Biya, si vous ne voulez pas la mobilisation des Camerounais, restez dans votre pays. Officiel, si M. Biya n'était pas là en tant que président de la République du Cameroun, vous n'aurez jamais vu ces activistes engagés. Nous abandonnons nos enfants, nous abandonnons nos familles, parce que nous croyons une cause juste. Donc ne nous croyez pas en face de vous avoir des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes des activistes pour la justice et la restauration de l'état de droit. Aussi simple. Voilà mon collègue. Donc, c'est ce que nous intimidons, tu passes à monsieur de rentrer. Il peut créer des hôpitaux pour se soigner. Sans costume, tu mets les mains dans la poche. Pendant ce temps, tu te prends nos os, criminel. C'est lui qui tue les gens. C'est lui qui tue les mains dans la poche. Le massacre des enfants. Le massacre des enfants. Le massacre des personnes âgées. Le massacre des personnes vulnérables. Mais comment des bébés de 4 mois, des femmes enceintes, des enfants tués sur le dos de la maman. Monsieur, maintenez cette vieillesse au pouvoir. Notre ancien fonds d'argent qui était dans les différents pays pour venir ici revenir au public genevois. Donc c'est parce que ça va mal dans notre pays. Alors vous avez la légitime. Allez lui dire. Défendre. Ah, Monsieur Parmelin doit sortir de cette politique esclavagiste. Tant que vous serez toujours content de recevoir un dictateur dans votre pays, on ne sera jamais fatigué, on continue, on va toujours venir. Et la prochaine fois, ce sera pas ma chambre. La prochaine fois, ce sera ma chambre. Mais rassurez-vous. Mais moi, ils m'ont renversé. Je suis bien. Regardez. Regardez la violence. On va tous se violenter de toute façon. Ce qui me donne un là, ça n'est pas le monde. Marcel. Général Marcel. Je dis, avant que la loi n'existe, nous sommes d'abord des hommes. Mais pourquoi lui menacer? Il coopère avec vous. Madame, n'essaie pas de violence en face de notre compatriote. Madame, exercez, c'est pas bien pour l'image. C'est pas bien pour l'image de la société. Madame, c'est un être humain. Madame, c'est un être humain. Non, c'est un être humain. Il faut arrêter ça. Il faut pas l'arrêter comme ça. Je pense que ça va être le pays. Nous avons notre pays. On ne peut pas déranger. Maintenant, quand on est train, n'essaie pas de nous dénigrer. Respectez les droits de l'homme, madame. C'est un être humain, respectez les droits de l'homme. Je ne parle pas pour les valeurs suisses. Je ne parle pas pour les valeurs suisses, respectez les droits de l'homme. C'est un être humain. Nous avons une lettre à monsieur Parmelin. C'est un être humain. Que monsieur Biya ne doit pas être le bienvenu sur votre territoire. Mais qu'est-ce que j'ai dit autant de violence? En juin 2019, nous avons fait le même procédé. Un accord devait avancer pour que monsieur Biya nous dise. Dis, laisse-moi me noter. Monsieur Parmelin doit le comprendre, il doit le savoir. Cet homme ne veut pas bien venir. Vous êtes dans la conspiration. Ok, je vous écoute. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est l'argent du café du cacao. Oui. Il y a des lois respectées. Vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça en hôtel forçant. On est d'accord, oui ou non? Monsieur, ça rentre dans le cadre de l'activisme.
C'est un dans le cadre de l'activisme. Nous portons une cause au juste. Et notre cause, nous avons interpellé les autorités pour cette cause. Que la présence de M. Biya... Ça fait trois ans, nous interpellons les autorités. Donc maintenant, vous n'allez pas demander à un activiste de se comporter comme nous. Nous le faisons. Vous avez vu, on a... 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 On a